Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens une fois de plus sur moi de cette nouvelle vidéo vous parler de la transformation de volaille en général et de poulet en particulier. Je vous présente dans cette vidéo les équipements indispensables pour abattre, échauder, déplumer, éviscérer et conditionner les poulets pour la vente. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne Ecom Market Investment. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager auprès de votre entourage et surtout n'oubliez pas de cocher la cloche de notification. Et puis je vous invite aussi à suivre la vidéo, cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et puis juste à la fin de la vidéo, je vais vous présenter le processus ou bien les différentes étapes par lesquelles vous devez passer pour acquérir ces équipements que je vous présente dans cette vidéo. Donc une fois que je finis d'expliquer, si vous êtes intéressé, en tout cas c'est à la fin que vous allez voir comment vous pouvez acheter ou commander ces équipements là. Donc c'est parti. Voilà comment ça se présente, les différentes étapes ici, les différentes étapes dont je vais parler dans cette vidéo. Donc, vous avez peut-être un poulailler, vous avez une ferme et vous êtes fatigué de vendre les poulets vivants comme ça. Vous voulez maintenant passer au conditionnement pour créer votre propre marque ou votre propre logo. Cette vidéo, elle est faite pour vous. Donc, suivez-la jusqu'à la fin. Donc, c'est le même processus, c'est la même procédure. Pour ceux qui ont l'habitude, par exemple, de préparer des volailles, particulièrement le poulet dans cette vidéo. Donc, vous commencez premièrement par abattre le poulet, c'est-à-dire vous l'égorgez. Une fois que vous l'égorgez, vous mettez dans une grande marmite, vous chauffez la marmite, c'est-à-dire dans la marmite, il y aura de l'eau, vous allez chauffer de l'eau et puis vous mettez le poulet à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle le chaudage. Et puis voilà, c'est cet appareil-là qui va remplacer au fait cette étape-là. Et puis après cela, vous allez prendre le poulet, vous allez vous asseoir, vous allez commencer à déplumer le poulet manuellement. Ça, c'est cette machine qui va faire cela, la machine de déplumage, vous voyez, cet équipement-là. Et puis après, maintenant, vous allez, une fois que vous avez fini de déplumer, il faut maintenant éviscérer, c'est-à-dire enlever les organes internes, ce qui est inutile. Vous allez enlever les organes internes. Et voilà, avec cet équipement-là, vous allez essayer de suspendre, en fait, les poulets sur ces crochets que vous voyez ici. Et puis, ça là, va vous permettre d'aller plus vite. Maintenant, cette étape que vous voyez là, ce n'est pas trop important. Une fois que vous avez éviscéré, enlevé les organes, la prochaine étape qui suit, c'est le découpage, en fait, de votre poulet pour la mettre pour le mettre au feu ou bien pour dans la marmite. Bon, commencer la préparation. Donc, en fait, ce sont les mêmes étapes avec la manière traditionnelle. La différence se trouve au niveau justement des équipements. Parce que ici, on parle maintenant de poulailler, de ferme. Ça veut dire que vous aurez beaucoup de poulets. Donc, vous devez avoir aussi des choses modernes pour vous permettre de gagner en temps. Donc, voilà, cette machine-là, c'est une machine. Normalement, si vous voulez travailler dans les normes, lorsque vous allez commencer à tuer vos volailles ou vos poulets dans cette vidéo, bon, je vais parler au fait des poulets. Quand je dis poulet ici, vous mettez dans vos têtes qu'il s'agit de n'importe quel type de volaille. Donc, dans ce cas, je parle de poulet. Donc, si vous voulez tuer votre poulet, vous prenez simplement cette machine-là. Vous voyez les deux bouts-là que vous voyez ici. Vous mettez sur la poule ou bien le poulet sera électrocuté. Et puis voilà, quand le poulet va perdre connaissance, comme ça, vous pouvez le tuer sans trop le faire souffrir. C'est comme ça, en fait, c'est comme ça que ça se passe dans les pays développés. En Europe, là-bas, ou aux États-Unis, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a des organismes ou bien il y a des... Comment on appelle ça? Il y a des gens, en fait, à qui on a donné cette responsabilité de passer dans des usines ou dans des industries de volailles là, ou bien des industries là où on abat des animaux pour faire respecter au fait cette loi, pour voir si ces industries là en fait respectent les droits des animaux, parce que les animaux aussi ont leurs droits dans ces pays là mais ce qui n'est pas le cas dans certains pays ou dans certaines parties du monde. Donc voilà, cet équipement-là aussi, voilà, va vous permettre en fait, de mettre le poulet à l'intérieur de ces entonnoirs-là pour recueillir le son. Et ce son-là peut-être pourra vous permettre de fabriquer du boudin noir. Oui, vous pouvez aussi fabriquer du boudin noir avec le son de la volaille. Vous voyez, c'est pas seulement avec le son du porc ou des bœufs ou je ne sais pas quoi, d'autres animaux faisant partie du grand bétail, mais vous avez aussi la possibilité de fabriquer du boudin noir avec le son de la volaille. Donc, si vous voulez recueillir du son, ces équipements-là peuvent vraiment vous servir. Ou si vous voulez, par exemple, que la poule ne puisse pas trop bouger, vous pouvez mettre la poule à l'intérieur et puis vous couper la tête. Donc, voilà à quoi ça sert. Nous allons essayer de voir la vidéo pour voir comment l'équipement fonctionne. Donc, voilà. Vous voyez que le gars, comment il fait, il n'a pas besoin d'anesthésion, il n'a besoin de rien, en fait. Il coupe la tête et puis il met les canards à l'intérieur.
Ouais, donc c'était le même esprit que nous avons aussi en Afrique là-bas. Donc nous et les Chinois, c'est presque la même chose. Prenons que les Européens, bon, voilà, passent d'abord par l'anesthésie, la poudre, ou bien voilà, par l'électricité, mais nous ici, on s'en fout de ça en fait. Donc, un peu ça. Donc voilà à quoi sert cet équipement-là, vous utilisez de cette manière-là. Et puis, après avoir abattu le poulet, il faut le mettre maintenant dans de l'eau chaude et puis le déplumer. Donc voilà, nous allons voir cette machine-là et cet équipement-là et celle-ci. Donc, on y va. Premièrement, on a cette machine qui va permettre de déplumer. Vous les voyez ici, c'est une machine simple ici. Ici, elle est combinée. La machine de déplumage, la machine de déplumage et cet échaudage, en fait, qui va vous permettre de mettre de l'eau, de chauffer de l'eau pour mettre la volaille à l'intérieur. Donc, voilà comment est-ce qu'elle fonctionne ici. Donc, c'est pas du sorcier. Voilà comment elle se présente. Donc, là, ça, c'est la température de l'eau. C'est une eau chaude. Vous mettez votre volaille et les poulets à l'intérieur. Après un certain moment, voilà, vous prenez ces poulets-là, vous mettez dans la machine, deux ou quatre poulets à chaque fois. Donc voilà, vous mettez de l'eau pour essayer de nettoyer l'intérieur de la machine afin de faire sortir les plumes par cette voie-là. Vous voyez, ça va sortir ici. Et puis voilà, au bout d'un moment, vous aurez votre résultat. Et voilà, il y a eu des plumages rapidement, efficacement et parfaitement. Donc vous n'avez pas eu besoin de vous asseoir, passer 30 minutes, 45 minutes à déplumer juste un seul poulet. Donc voilà, on va voir plus en détail ici. Donc vous voyez, c'est combiné, la machine est combinée. Donc c'est différent, vous mettez de l'eau à l'intérieur. Une fois que vous mettez de l'eau à l'intérieur, la machine est branchée à une prise électrique et vous mettez en marche, vous réglez la température. Une fois que vous réglez la température, et puis vous mettez, vous tuez vous égorgez votre poulet comme le gars le fait, je pense. Voilà, là c'est plus facile d'égorger le poulet. Il faut d'abord vider le poulet de son sang. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Voilà, il coupe. Et voilà, une fois que le poulet sera vidé de son sang, on met le poulet à l'intérieur de cette eau chaude. Et ensuite, après quelques minutes, je crois 2 minutes, 1 ou 2 minutes comme ça, voilà, on prend la volaille, on la met dans la machine. La machine va permettre de déplumer de manière automatique. Voilà, au bout de 1 minute maximum, vous avez la poule qui est déjà déplumée. Vous mettez de l'eau pour faire sortir ces plumes-là, voilà, à l'extérieur. Donc, voilà, c'est pas du tout sorcier, vous voyez, c'est juste de la connaissance. Il faut juste savoir les équipements qu'il faut. Et dans cette vidéo, je vous les présente. Voilà, vous avez votre boulot qui a été, voilà, déplumé correctement, parfaitement, avec soin. Donc, voilà. Et ça aussi, ce sont des pieds. Les pieds des poulets. Les Chinois en raffolent grave ici. Les Chinois aiment vraiment ces pieds de poulet-là. Donc, vous pouvez voir quelqu'un parcourir des longues distances seulement pour aller acheter ces pieds de poulet-là. Donc, ça peut être aussi un business pour vous là-bas. Si vous avez un poulailler ou bien une ferme et que vous commencez ce business-là, ne jetez pas ces pieds de poulet-là. Vous pouvez prendre ces pieds de poulet-là, les conditionner de cette manière-là. Mettez le sachet dessus avec votre logo et puis vous mettez sur le marché. Ça peut se vendre comme ça, par exemple, 1000 francs, 1000 francs CFA ou 1500 francs CFA, c'est-à-dire 2 dollars ou je sais pas, 1 dollar. Vous voyez, vous ne perdez rien. Hein, vous ne perdez rien. Donc, ça, au lieu de les jeter, vous pouvez les consommer. C'est consommable, en fait. Donc, c'est pas du tout. C'est comestible plutôt. Donc, c'est pas sorcier. Donc, voilà. On va parler des prix maintenant. Ici, quand c'est seul comme ça, quand c'est à la machine seule, vous avez 2 à 3 poulets par minute, je pense, par minute. 5 minutes, c'était juste le maximum. Mais en fait, c'est par minute. 2 à 3 poulets par minute. Et le prix à 480 dollars. Parfois, ça va jusqu'à 300 000 francs CFA. Ou voilà, 320 francs CFA, 300 000 francs CFA. Ça fonctionne par l'électricité, le poids 720 kg. Et si vous achetez ça séparément, comme font beaucoup d'autres personnes, je pense que vous allez dépenser autour de 700 dollars, c'est-à-dire la machine plus l'échaudage. Donc voilà. Là, c'est combiné. Mais plusieurs personnes aiment l'acheter séparément. Mais là, c'est combiné. Donc, quand vous l'achetez combiné comme ça, 630 dollars, 430 000 francs CFA.
Voilà, ça pèse plus 85 kilos. Mais lorsque vous achetez séparément, vous êtes dans les 730 dollars, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas du tout sorcier. Donc après l'étape de l'échaudage, vous avez l'étape de déplumage, on a vu les deux étapes et les prix de ces machines. Et puis vient l'éviscération. L'éviscération, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà comment ça se présente. On va voir une vidéo. Donc voilà comment ça se présente. L'éviscération, vous suspendez les poulets ici, voilà, vous faites tourner. Une fois que vous avez fini d'éviscérer, d'enlever les organes d'un poulet, vous tournez. Une fois que vous avez fini, vous tournez. Et le reste du sang peut être coulé ici. Ouais, donc c'est pas du tout sorcier. Toute cette saleté ou bien les abats que vous allez enlever, les organes que vous allez enlever, vont entrer dessus. Tout là, voilà, c'est juste de la logique. Donc si vous voulez moderniser un peu votre production, votre transformation, vous pouvez aussi commander cette machine-là. Donc voilà un peu. Après, à la fin, vous avez ce résultat-là. Une fois que vous avez ce résultat-là, vous avez un choix. Ça, vous pouvez découper ces poulets-là en morceaux pour les vendre vous-même sur le marché, ou soit vous pouvez les conditionner, mettre dans les sachets et donner chez les distributeurs ou donner chez les grossistes pour qu'ils puissent vendre pour vous. Dans le cas où vous voulez découper, par exemple, ces morceaux, c'est pas seulement ici pour ceux qui élèvent, même pour ceux qui vont vendre aussi. La machine là, elle est très pratique. Et vraiment, elle fait bien son boulot, même plus que le couteau. Vous voyez? Donc, c'est vraiment la joie. Donc, même dans le cas où vous voulez, par exemple, éviscérer, vous voulez, par exemple, enlever les organes de la volaille, vous pouvez aussi, vous aurez aussi besoin de cette machine, de cet équipement. Voilà. Donc, voilà. Ou quand vous voulez, par exemple, les conditionner comme ça, vous achetez vos sachets, vous mettez, comment on appelle ça? Vous personnalisez vos sachets avec votre logo dessus. Une fois que c'est fait, vous achetez cette machine là avec des agrafeuses qui va permettre de sceller ces machines là. Donc voilà comment ça se présente. Une fois que vous mettez, donc une fois que vous mettez les agrafeuses à l'intérieur, les agrafes plutôt à l'intérieur, donc voilà, après vous commencez maintenant à sceller le sachet. Donc voilà, ça c'est, vous scellez vos sachets ici. Voilà, comme c'est fait ici, voilà, vous scellez ça comme ça ici. Donc, et puis vous mettez sur le marché, c'est pas du tout sorcier. Hein? Voilà, donc voilà, nous sommes actuellement en Chine. Pour ceux qui demandent là où nous sommes en Chine, c'est notre numéro WhatsApp. De grâce, si vous nous écrivez, vous devez mettre en tête que nous sommes une agence. Et lorsque vous nous écrivez, il faut aussi tenir compte des frais de service que nous demandons. De toute façon, si vous voulez des informations sur des marchandises ou sur des équipements que nous vous donnons, vous devez venir avec vos frais de service, parce que les informations que nous allons vous donner nécessitent les frais de service quand nous faisons fonctionner notre structure. Donc, si vous voulez commander, vous êtes libre de commander par vous-même. Et si vous voulez passer par nous, oui, que venez sur ce numéro, mais nous exigeons des frais de service pour vous accompagner dans l'achat des marchandises ici en Chine, ici. Vous voyez? Donc, nous sommes là pour vous aider dans le cas où vous voulez passer par nous pour acheter vos machines en Chine. Mais si vous avez un autre moyen, vous pouvez vous utiliser ce moyen-là pour vous procurer de ces machines. L'essentiel, c'est que vous puissiez avoir ces équipements et commencer à travailler. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et à nous revoir pour la suite ou pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci.